Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure. Installez-vous confortablement, mettez en 4K 60fps si vous le pouvez, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, prenez un petit truc à boire et à manger, régalez-vous. Et surtout n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Nous étions dans le village des Scars. On est clairement chez les Scars sur leur île. Et ça allait swinguer. On a vu Tommy qui a mis une balle dans la tête à Manny. Quel plaisir, j'ai envie de vous dire. Et on continue bientôt l'épisode 40. C'est jusqu'ici le plus long let's play en termes en nombre d'épisodes que je vous ai proposé, me semble-t-il. Et quel plaisir par contre, hein, on va pas se mentir. Après, le fait que je rende toutes les vidéos en 4K 60fps fait aussi que bah, d'un côté, attendez, on va essayer de se mettre très rapidement dans le champ. C'est aussi que d'un côté, je suis limité, je peux pas faire d'épisode de 1 heure ou plus à cause justement de la 4K 60fps. Mais quel accomplissement quand même, je suis tellement heureux de vous avoir proposé ce let's play en si bonne qualité, vraiment. J'ai aucun regret. J'ai été cramé. Dispersion. On a de la visite. Aide-moi pas sur toi. Ok. Avec une... Ferme ta gueule. Putain, ils ont juste à côté. Putain, ils étaient juste à côté. C'est trop. Ok. J'ai eu très 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 chaud. Je crois qu'il y a personne en plus. Je crois qu'il y a plus personne. Ils étaient réellement... Quelqu'un les a cramés juste à côté comme ça. Perso, je... Impossible à savoir. Hein. Enfin, impossible à voir, même. Ok. Il y a quelqu'un, je l'ai entendu siffler au loin. On va essayer de se rapprocher. Je pense que la personne qui sifflait était là-haut. Ah non. Ok, je l'ai. Ok, on les voit, mais de pas très loin, c'est assez compliqué aussi. Là, par contre, je les brain de ouf. Hein. En vrai, je suis littéralement une machine avec une cascade. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cascade de la machine. Hop, ça on prend, ça on prend. Ça, bien sûr qu'on prend. T'es le meilleur, frérot. Voilà, t'arrêtes de siffler. T'as cru on était où là? On siffle pas les demoiselles, ok? Enfin, demoiselles, bon, vous avez compris, hein. Je parlais évidemment. Pas de Abby. De toute évidence. Oh, ça va, on rigole! C'est bon, les gars, elle est plus baraque que Schwarzy. Vous voulez quoi aussi? On peut plus s'amuser? Ok, ça en prend. Aucune honte à dire qu'Abby, elle est 4 fois plus stock que n'importe qui d'entre vous. Moi le premier, évidemment. Moi le premier, évidemment. Hop, ça en prend. Ok. Quelque chose de faisable. Et on va le faire. Voilà, on a amélioré la faux. Ça, on le fait. Encore une fois. Vaut mieux être full que pas assez. Comme on dit nulle part. Ok, on peut pas se faire des balles de pompe.
Ça serait considéré peut-être comme abusé. Bon, et ben on est pas trop mal. On s'en est bien sorti. Je la trouve très 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 sympa cette petite zone. Laissez-moi vous dire que c'est agréable à parcourir. Ok. Je suis très concentré. Quelqu'un à droite. Eh, on s'en sort pas trop mal en vrai. On s'en sort pas trop mal. Je suis pas peu fier. Ok. Ok. Wouh! Ça m'a donné de la sophore. Elle me porte. Il a vu la porte de près, si je puis me permettre. Ah, fais chier, putain! Fais chier. Bon, allez, sans doute. Oh, putain. Normalement, c'était chaud. Il devrait y avoir plus personne. Ouais, comme par hasard, le mec il s'est tourné. Ça, c'est un petit peu chiant, par contre. Des fois, tu comprends pas pourquoi. J'ai pas encore bien saisi hein, l'intelligence artificielle. Des fois, le mec il se retourne, genre un instinct, frère. Bon, je veux bien, on a tous un instinct. Mais enfin, quand même. C'est un bel instinct, si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas le tester. Là, on peut pas rentrer. Là, il y a plus rien. Ok. Bon. Allez, je suppose que c'est par ici la sortie. Là. Un petit bail, un petit truc un peu comme un crocodile. Vu que c'est allumé, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Vraiment? Vraiment? J'arrive, Yara. Yara! J'arrive. Ne cédons pas à la panique, s'il vous plaît. Je suppose que c'est par ici, non? Pas du tout, mes petites couilles. Je vais me permettre de les appeler ainsi. C'est par là. Allez! Regardez-moi! Par là, ils vont nous voir. Commence à faire beaucoup, non? Donc on passe par-dessus? Mais allez, vas-y, c'est parti. Allez, on se voit! C'est ici. Allez. Ton bras, ça va? Pas vraiment. Mais si, ça va son bras. Allez. On a quoi par ici? On a rien. Vous croyez qu'il y a des pièces ici en vrai? Parce que là pour l'instant ça fait que de swinguer. Par là. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, encore what? Ça, on prend. Ça, on se met full life. C'est des soins à... qui réagissent immédiatement. Ça, on prend toutes ces pilules là, comme ça, ça régale. C'est littéralement un régal. Alors, niveau soins, qu'est-ce qu'on a? Confectionne des kits médicaux plus efficaces, c'est pas mal. Allez, on peut prendre ça en vrai. Et on peut même prendre ça à 100% de stabilité et de précision. Ça paraît pas mal non plus. Histoire d'être encore plus une machine.
Et 100% c'est quand même pas négligeable. Qu'est-ce qu'on a, c'est quoi? C'est du cochon ça? Bah alors? Ah non, pas du tout. C'est des moutons. Non, qu'est-ce que c'est des veaux? Qu'est-ce que vous êtes? Oh mais non, mais c'est des chèvres et des moutons. Abby, enfin ça c'est des chèvres pour le coup. Je l'ai poussé pour l'éloigner de moi. Lève, elle s'est cognée sur la table. Écoute-moi, Cara. Tu t'es défendue et c'est tout. Tu n'as rien fait de mal. Tout va bien se passer, je te le promets. Regardez la qualité graphique Yara, quand même pour un jeu PS4. J'aurais jamais dû m'en faire. Le jeu est quand même magnifique. Bon, il vient de perdre sa mère et on parle graphisme, enfin vous avez compris le truc. Les effets de lumière et tout là, c'était incroyable. Allez, qu'est-ce on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la merde. Ils sont envahis l'île. Ça va aller. Ils nous tirent, on n'a rien à voir avec tout ça. Hein. On devrait pas aller chercher le bateau. Non. J'entends des coups de feu là-bas. Mais alors? J'entends des coups de feu partout. Le plan de bateau à Haven. C'est à ça que je pensais. On peut couper par la vieille ville. Il faut éviter les routes principales. C'est loin, Haven. C'est pas tout près. Et c'est notre meilleure chance. Continuez à nous suivre. Ok, allez-y. Quel enfer! C'est pas tout près, bah ouais, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas tout près. Qu'est-ce qu'on a là? Pas grand chose. On a un petit lapin. Oh, je peux le tuer ou pas d'après vous? J'aurais dû essayer, tiens. J'aurais dû essayer. Ils sont tous partis combattre les wolves. Ouais. Ok. Allez, on se barre. Non, 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 je vais plier ça petit. Hein. Là, j'ai pas le temps pour vos conneries. Hein. Hop, regardez-moi ça. Regardez-moi cette régalade. Cette mar. Oh là 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 là! Mais il y en a partout. Voilà. Ok. Eh ben écoutez, on est pas mal. Je peux peut-être même améliorer encore quelque chose, non? Bougez pas. J'en ai que 25. Ok, on pourra faire quelque chose après. Très bien. Allez, on se passe. Comment va ton bras? Ça va. Bah il est plus là. Je suis juste fatigué. It's ok. Yara. Maman avait vraiment la foi. Je sais. Alors, pourquoi il a fallu que ça lui arrive? Avoir la foi ne rend pas immortel. La vie est une succession d'épreuves. Et mon qui? Non, personne t'a dit. Putain, mais fermez-la. C'est en bas de la rue. À l'intérieur. Vite. Ok. On est... parti. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça me manquait presque la ville, qu'on n'avait pas vu des bâtiments comme les autres. Ok, ça va swinguer. Très bien, ça. Hop. Ça va swinguer. Parce que là, on affronte des wolves aussi. Vite. Un petit mélange. Plutôt cocasse. Je regarde s'il n'y a pas des petits trucs. Regardez, ça, c'est sympa, ça. Des petites pièces aussi.
Ouais, je collectionne les pièces, j'adore les pièces. On est en train de les abandonner. On peut rien faire pour eux. Je sais. Reste près de moi. Ok. Alors, reste près de moi. Oh non. Il faut quitter la rue. Ouais, c'est rien, c'est la rue, ça. Lève. Abby. Par là. Attends, y'a pas une petite pièce qui traîne aussi, là? Non, on sait jamais. C'est rien, c'est la rue. Allez, on se partit. On n'a pas vu d'atelier quand même, et il donne beaucoup d'outils là. Donc c'est plutôt cool, mais Oh la vache, hey, il régale de ouf. Ok. Donc j'ai pas parce que. En vrai, je peux peut-être déjà améliorer quelque chose, non? Non, je compte pas, c'est bon. Je me suis enflammé, excusez-moi du coup. Est-ce qu'on peut les éviter, ces types? Ouais, on prend un autre chemin. Ok. Encore? Oh, je vais pas me plaindre, mais enfin, quand même, ça fait beaucoup, là. Peut-être un petit atelier, là, pas très loin, non? La ruelle de l'autre côté. Allez. Toujours pas d'atelier. Magnifique. Il est tellement gourmand, il régale les papilles, ce jeu. Tellement d'environnements différents, tellement de... C'est un jeu, voilà. Tu ne regrettes pas d'avoir mis tes 50, 60, 70 balles selon où tu l'as acheté. Il reste Wolf dans le coin. J'en sais On rien. Peut dire qu'on est gâté. Avance, c'est tout. Aussi bien sur les backgrounds des personnages que des personnages secondaires. C'est une vraie régalade, c'est comme ça que je le vois. Lara. Même s'il y a des choses peut-être à redire sur le scénario, il y a eu des choix scénaristiques pas évidents à comprendre, mais qu'on peut comprendre quand même, on en parlera d'ailleurs à la fin du jeu, ne vous inquiétez pas. Allez, Abby. Allez, j'arrive. Par ici. Ah, j'en ai un. Lara. Abby. Yara! Yara, debout! Écoute-moi, Denise! Yara, je t'en prie! Lève, on doit y aller. Non! Allez! Non! J'ai vu quelqu'un! Je peux pas la laisser ici! N'approchez pas! Lâche ton arme, allez! Oh merde! C'est Abby, vous approchez pas! Ça suffit! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il faut que tu m'écoutes. Qui tu caches derrière toi? Il m'a sauvé la vie. Écarte-toi, on discutera à la base. Il est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. Tu vas vraiment me tuer? 2. Je bougerai pas, compris? Non! Putain de merde! Tu es là! Oh, les gens, ils meurent tellement vite dans ce jeu! Sa mère! Lève, on doit y aller. Non, ça prévient pas, hein! Ça prévient pas, hein! Ah oui, ah bah là, plutôt 2 fois qu'une si je me permets. Lève, allez! C'était ton putain de groupe! C'est toi, mon groupe! Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok? Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok? Ok. D'accord. Suis-moi.
Allez, c'est parti. Oh là 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 là, la non-pitié du jeu. Tout le monde meurt à une vitesse incroyable. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah, ça swing, hein. Bon, par contre, il a tué sa mère. Il a vu sa sœur éclater au sol. Ça commence à être compliqué pour lui. Ok, ça on prend. Je suis blindé en balles. C'est que ça va vraiment swinguer vu comment ils ont distribué les trucs tout à l'heure. Et on peut pas là ? Non ? Alors c'est où ? Bougez pas. Laissez mon cerveau réfléchir. Cerveau en ébullition. Allez, on y va. Oh là là. Non hein, on vient de croiser Isaac. Il s'est fait enculer. Bon, elle, on va même pas. Ok. Ça c'était. Oh ouais, non, c'est trop les gars. Oh. Je crois que j'ai vu sa torche. Lila, va vérifier. Ça marche. On va le... Wouh ! Alors. Concentré là. Je suis désolé. Je pense que vous comprendrez que la situation est plutôt critique. Ok, petite pause. Et où ils sont, putain ? Ne les laissez pas s'échapper. Ok, on peut dire que je suis dans une mare de sang si je peux me permettre cette expression. Par contre à lui. Vache, quoi ? Ça vient d'en haut, ça. Ça vient de Paname. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Faites entrer la machette. Ouais. Allez, on sort d'ici. Compliqué, compliqué. Complicado. Bon. C'était littéralement une boucherie. Attends deux secondes. Charcuterie. Je monte la garde. Ouais, c'est ça, ouais. Monte la garde. Ferme-la. Ça a swingé, hein. Ok.
Bon, je suis un peu considéré comme... Allez, on est parti, on va vraiment tout fouiller avant de partir. Sur un malentendu, on peut trouver beaucoup de balles, beaucoup de trucs très 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 sympas. Et pourquoi pas une caisse d'ailleurs. Ça on prend, ça on prend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on prend. Et on n'a plus qu'à aller sur les hauteurs. Bon, là, cela joue infiltration. En vrai, j'avoue que la zone était plutôt grande. Je ne m'attendais pas à un truc aussi, aussi strong. Là, c'est par là où on vient. Oui, on vient totalement par là. Et comment on a pu monter? J'avais vu un moment des échelles, là. J'avais vu une sorte d'escalier, non? Là, c'est ma faute, c'est moi. Voilà, c'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Je pense pas grand-chose. Si, j'ai mis une petite balle à une meuf à gauche. Oh, je lui ai décalqué la gueule. À coup de McDom, je peux vous dire que ça a Da Vinci Code. Ah ouais, non, c'était un mec. Je lui ai arraché la gueule. Ok, allez, viens avec moi, Tev. Lève. On s'en fout. Viens. Assez compliqué comme ça, je vais pas retenir tous les blazes. De toute façon, tu vas sûrement mourir dans la trop souffrance dans pas très longtemps. Ok. Une brique. Mais attends, il faut se casser par où là? Qu'est-ce qu'on a? On va prendre ça. Allez, on se parti. Là, c'est la vraie bagarre. Là, c'est la vraie bagarre, mon lève. Allez, nous voici dehors. Putain, tu viens d'ouvrir les yeux, t'es vraiment con. C'est par où? Il y a une station radio tout droit. On peut la traverser. Ok. C'est encore loin d'ici, Evan. Il reste pas mal de route. Wouah! C'est pas vrai, putain! Lève, on est déjà à l'épisode 40 bientôt! Annonce-moi une meilleure nouvelle! Lève. Allez! Viens que je te monte en l'air. En fait, le tir à rafale, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que 3 balles, quand même, j'en voyais pas la nécessité pour le coup. Bien. Attends. Oh! Tiens, tiens, tiens. Qui voit l'âge? Par ici. Lève-toi. Voilà. Alors! Bon, ça donne quoi? Bah, ça donne que c'est compliqué cadeau. Des lunettes, vitesse de rechargement. En vrai, la vitesse de rechargement de l'arc, ça peut être vraiment pas mal, hein, pour le coup. Pas besoin de stabilité. Juste des flèches beaucoup plus rapides à mettre. 55%, c'est pas négligeable. Je sais pas ce qu'elle va y mettre d'ailleurs, finalement. Avec un petit peu de recul là. Ok, elle a mis une boîte de conserve, c'est impeccable. Elle a mis un mug. J'espère que c'est un mug collector Mr. B-Boy 45. Allez, on y va, les gars. On y va. Et Oh, c'est pas vrai. C'est Evan? Ouais. Ce qu'il en reste. Lève, ils sont où les bateaux? Au ponton. Derrière les incendies. Alors il faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. D'accord? Ouais. Pas question qu'on crève sur cette île. D'accord. Allez, on y va. Et on va s'arrêter là, ça fera une très belle miniature par la même occasion. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à demain pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien, bisous tout le monde. Ciao, ciao.